C'est une reprise des cours un peu timide et progressive constatée dans plusieurs établissements de la capitale Libreville ce 2 janvier 2024. Malgré la présence du corps administratif et des enseignants dans différents établissements, les élèves quant à eux semblent renouer avec les mauvaises habitudes. La rentrée était timide. La rentrée était timide, il n'y a pas assez d'élèves. Mais sinon, tous les enseignants sont là, le corps de l'administration est là. Tous les membres de l'administration sont là, les enseignants, monsieur le directeur. Mais il n'y a pas assez d'élèves. Le matin, quand nous sommes arrivés, on a constaté qu'il y a quelques parents qui sont venus avec les enfants et d'autres commençaient même à repartir. Les surveillants, l'équipe de la surveillance générale était déjà au complet. Au cours secondaire en Bourouais et au complexe scolaire Michel Mundunga, par contre, les élèves et les enseignants ont regagné leurs salles de classe respectives. Nous, on essaie de nous en tenir au calendrier statutaire, au calendrier de la tutelle. Donc, nous avons des exigences de respect de la progression. Il y a d'ailleurs les parents qui m'ont appelé pour savoir si les cours reprenaient aujourd'hui. Mais j'ai tout simplement répondu que nous respectons le calendrier tel qu'édicté par le ministère. Il faut tout simplement dire que nous sortons là d'une période festive et c'est à peu près les mauvaises habitudes que nous devons demander aux parents de rompre. Dans l'espoir que chaque apprenant prend conscience de la reprise effective des cours, conformément au programme du ministère en charge de l'éducation nationale, le corps administratif de ces différents établissements de la capitale reste mobilisé pour accueillir les uns et les autres.